Amis babinautes, bonjour, bienvenue dans l'actu. Le virus de la peste porcine africaine découvert dans le département de Boisflay et la sous-préfecture de Sangon. Le virus de la peste porcine africaine PPA a été découvert dans le département de Boisflay et la sous-préfecture de Sangon a appris Abidjan.net dans un communiqué du ministre des Ressources animales et halieutiques ce lundi 13 mai 2024. Le communiqué explique que suite à des mortalités suspectes de porcs signalées dans des élevages de porcs situés dans le département de Boisflay et la sous-préfecture de Sangon respectivement, le 1er et le 8 mai 2024, les services vétérinaires des différentes localités saisies à cet effet ont mené des investigations afin d'identifier la cause des mortalités. Ces enquêtes menées sous la supervision de la direction des services vétérinaires ont permis d'effectuer des prélèvements qui ont été acheminés au Laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA, pour analyse. De ce fait, les résultats d'analyse du laboratoire de l'ANADA ont confirmé le 10 mai 2024 la présence du virus de la peste porcine africaine sur les échantillons provenant de Boisflay et de Sangon. Après Daloa, cette situation traduit la deuxième réapparition de la PPA en 2024. Ainsi, afin de limiter la propagation et l'éliminer, le ministère a décidé de prendre des mesures sanitaires urgentes, notamment l'interdiction de mouvement de porcs, produits et sous-produits porcins dans les localités concernées, l'abattage sanitaire des porcs dans un rayon de 3 km autour des foyers d'infection, le nettoyage et la désinfection des élevages touchés, le renforcement de la surveillance sanitaire dans les zones à risque. Par ailleurs, le ministère assure que tout abattage sanitaire de porc fera l'objet d'une indemnisation et informe que le PPA est une maladie à déclaration obligatoire et invite par conséquent les populations à signaler toute mortalité suspecte de porc. De plus, il tient à rassurer les populations que la PPA est sans danger pour l'homme et que la consommation de viande de porc et de produits porcins peut se faire sans risque. Cependant, la viande et les produits porcins issus d'animaux abattus seront totalement détruits du fait de la résistance du virus et dans le but d'interrompre la chaîne de transmission du virus aux animaux. Ainsi, il a affirmé que toutes les dispositions sont prises pour éliminer les foyers et assurer la protection de la santé du cheptel porcin ivoirien, a-t-il conclu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles actus.